on voit ce vers quoi on va avec le salafisme, ça nourrit le radicalisme violent, ça nourrit le terrorisme, et on continue à avoir dans notre pays, et j'ai pas déclaré la guerre vendredi, hein, vous savez, moi je travaille là-dessus depuis plus de 15 ans, hein, donc ça fait longtemps que je m'intéresse et ça fait longtemps que je tire la sonnette d'alarme par rapport aux risques liés au développement du salafisme ou même des frères musulmans dans notre pays. Mmh. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, il continue à se produire un certain nombre de propagandes liées à cette idéologie qui est destructrice et qui continue à s'en prendre à nos valeurs, à notre mode de vie, à notre démocratie, mais aussi à notre sécurité. Il suffit de se rendre sur un certain nombre de sites internet pour voir ce qui est plaidé dans un certain nombre de lieux. Oui, donc on doit se donner la possibilité de fermer beaucoup plus rapidement un certain nombre de lieux où on diffuse ce genre d'idées. Nous avons vendredi d'ailleurs un débat sur une de mes propositions qui doit donner la possibilité aux bourgmestres dans un certain nombre de cas de fermer un certain nombre de lieux. Aujourd'hui, ces lieux suspects, ces lieux où se posent un certain nombre de problèmes, les bourgmestres arrivent à les fermer comment ? Ben, via des règlements d'urbanisme, non pas par rapport à la question qui se pose réellement en termes de radicalisme ou de salafisme dans ces lieux. Il s'agit également d'activer sans doute encore davantage la circulaire sur les prédicateurs de haine. Il s'agit, oui, d'être encore plus offensif par rapport à ce qui, aujourd'hui, continue à vouloir s'en prendre à ce que nous sommes, à détruire ce que nous sommes, à remettre en question l'égalité homme-femme, à dénigrer les homosexuels. Bref, oui, c'est un danger.